c'est entre 50 et 70. Alors, ce cancer, il peut survenir chez un sujet jeune, c'est-à-dire inférieur à 40-50 ans. Ben, il faut toujours évoquer un facteur génétique. Et malheureusement, ces cancers, ce sont des cancers de très mauvais pronostic. C'est des cancers très agressifs. Enfin, la survie chez ces patients, elle est très, très, très courte. Trois facteurs ont été incriminés sur le plan de la carcinogénèse. Premièrement, c'est la stase biliaire. L'un des meilleurs exemples de la stase qui entraîne une stase biliaire, c'est les calculs de la voie biliaire principale ou une sténose partielle, non complète si vous voulez, de la voie biliaire. Elle va entraîner une stase et cette stase en elle-même va entraîner une surinfection, une infection biliaire chronique qui sera à l'origine d'une inflammation de la voie biliaire ou d'une cholangite, qu'on appelle une cholangite aiguë, qui va évoluer vers une cholangite chronique. Il y a aussi le liquide pancréatique. Alors, on verra tout à l'heure dans les anomalies de la jonction biliopancréatique comment le liquide pancréatique peut passer dans les voies biliaires principales. Donc, voilà, donc, vous avez compris que différentes étapes de la carcinogénèse, vous avez déjà l'inflammation aiguë. Cette inflammation aiguë qui se répète dans le temps va évoluer vers l'inflammation chronique et qui va entraîner une dysplasie épithéliale. Dans un premier temps, elle est bas grade et puis haut grade. À ce moment-là, on va passer au stade du cancer superficiel puis invasif. Parmi les facteurs de risque reconnus actuellement, nous avons des causes inflammatoires telles que la cholangite sclérosante primitive et surtout la diète intracanalaire chronique. Parmi les tumeurs bénignes, bien sûr, ce sont souvent les adénomes. Et parmi les malformations, je vais citer les kystes du colédoque. On a tout à l'heure quoi faire kystes, quelle est la classification. Nous avons la maladie de Crowley. Mais la maladie de Crowley, c'est beaucoup plus, c'est une malformation kystique comme les kystes du colédoque, sauf qu'elle est intrahépatique. Et nous avons aussi l'anomalie de la jonction bilio-pancréatique. D'autres causes parasitaires, surtout vues en Asie du Sud-Est. Et en fait, parmi les facteurs de carcinogénèse, nous avons des carcinogènes, en particulier, il faut citer le tabac. Voilà une classification anatomique de Tordani pour les kystes du colédoque. Alors, à gauche, vous avez le type 1. Donc, voilà la dilatation de la voie biliaire extrahépatique avec une vésicule normale, une voie biliaire intrahépatique normale. Nous avons le type 4. Vous voyez bien que dans le type 4, c'est une dilatation des voies biliaires extrahépatiques associée à une dilatation intrahépatique. Voilà, il faut retenir au moins ces deux types et le plus fréquent, bien sûr, c'est le type 1. Voilà une autre forme de malformation. Cette malformation appelée anomalie de la jonction biopancréatique, elle est surtout observée en Asie, en particulier au Japon. Pourquoi au Japon, je ne sais pas. Mais il faut retenir qu'elle est fréquente beaucoup plus au Japon. Alors, c'est quoi une anomalie de la jonction biliopancréatique? C'est, vous voyez à gauche, que le colédoque, il est rejoint par le canal de Wilson et ils vont former un canal commun qu'on appelle le canal commun. Généralement, dans la taille, il ne dépasse pas le centimètre. Donc, en cas d'anomalie de la jonction bilio-pancréatique, eh bien, ce canal pancréatique dépasse les deux, même les 3 cm. Et à chaque fois que ce canal dépasse les 2 cm, on parle d'anomalie de la jonction bilio-pancréatique et on distingue deux types qui ont été développés ou rapportés par le Japon et Kimura,
Il y a le type 1 qui est rare, hein, c'est le canal pancréatique P qui est le polydop. Et il forme ce qu'on appelle une union PC. Le type 2 qui est à droite, et c'est le plus fréquent. À ce moment-là, le polydop se jette, comme vous voyez ici, il se jette dans le canal pancréatique par l'intermédiaire d'un segment rétrécé formé par une union de type C et P. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut comprendre que le sphincter d'Oddi à ce niveau-là, il n'existe plus. Donc, ce qui va autoriser, permettre au liquide pancréatique de passer dans les voies biliaires, dans la voie biliaire principale ou dans la voie extrahépatique. Et ce qui va entraîner, bien sûr, une inflammation, une agression de la muqueuse biliaire. Et bien sûr, dans le temps, ça va donner une inflammation chronique, ce qui va aboutir à la dysplasie et enfin au cancer. Donc, vous comprenez très bien que le cancer des voies biliaires, il est très, très fréquent au Japon. Sur le plan anatomopathologique, donc les tumeurs des voies biliaires sont souvent, voire toujours, presque toujours, à point de départ épithéliale. Dans 95% des cas, ce sont des adénocarcinomes. Ils sont souvent bien différenciés, sauf qu'ils sont souvent associés à une fibrose importante sous-muqueuse, ce qui va permettre une infiltration sous-muqueuse de ces tumeurs. Donc, parfois, on a une évaluation, on peut avoir une évaluation sous-estimée à la radiologie. Par exemple, il peut te dire il s'agit d'une tumeur de 2 à 3 cm, alors qu'en réalité, du fait qu'il y a une infiltration sous-muqueuse, c'est une tumeur de 4 voire 5 cm. Et ça, ça a son importance sur le plan chirurgical. Sur le plan macroscopique, il y a la forme papillaire qui a développement endolumineux, c'est-à-dire ce sont des tumeurs qui se développent dans la lumière, donc ce qui va entraîner une sténose précoce de la lumière. Et ce sont des formes plus fréquentes au niveau de la région oculaire ou le collédoc, si vous voulez, dans les colons géopathiques. Par contre, la forme infiltrante, je viens d'en parler, elle est à développement pariétal sous-muqueux. Malheureusement, elle siège le plus souvent au niveau du colangiocarcinome, enfin, elle est retrouvée dans les colangiocarcinomes proximaux, ou dit encore hilaires, c'est-à-dire au niveau du hil. Et vous comprenez très bien qu'une tumeur du hil va envahir facilement le canal droit ou le canal gauche, et elle est déjà en situation intrahépatique. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'elle va imposer, en plus de l'exérèse biliaire, sur le plan chirurgical, en plus de l'exérèse biliaire, une exérèse hépatique. Quel est le mode d'extension? Professeur, on n'entend pas. Je ne sais pas, moi, je suis... Oui, comme ça, vous m'entendez. C'est bon, oui. Je répète bien, et ton corps. La dernière partie, s'il vous plaît. C'est... Juste la dernière partie. L'anatomopathologie. Non, le mode d'extension. Ah. Mode d'extension, oui. D'accord. Sinon, le reste, ça va. Oui. Allô? Oui, ça va, oui. Vous êtes sûr, Eric? Oui, sûr. Non, là, sinon je dois répéter parce que c'est important. Ça va? Je peux continuer? Vous pouvez continuer, oui. Professeur. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, le mode d'extension. Alors, il y a le mode d'extension à distance sous forme de métastase hépatique pulmonaire et péritonéale.
et il y a les métastases ganglionnaires. Alors, ces métastases ganglionnaires sont retrouvées en premier au niveau du pédicule hépatique. Elles se voient dans un tiers des cas. Et il faut savoir aussi que l'atteinte ganglionnaire est un facteur de mauvais pronostic, d'une part. Et d'autre part, l'atteinte ganglionnaire cœliaque, péripancréatique et mésentérique est considérée actuellement comme étant des métastases à distance. L'envahissement vasculaire. Nous avons vu tout à l'heure que cette éventualité, elle est fréquente dans les cancers, dans les cholangiocarcinomes proximaux, du fait de la proximité de la veine porte, de l'artère hépatique avec les voies biliaires. Et c'est le premier souci du chirurgien lors de l'évaluation du stade de la maladie. C'est-à-dire la question qui va se poser, y a-t-il ou non un envahissement de cette veine porte en particulier? Et l'atteinte de ces vaisseaux va augmenter les difficultés chirurgicales d'une part et expose à une chirurgie, on va dire comme ça, chirurgie dont le post-opératoire sera difficile. C'est ce qu'on appelle avoir une morbidité et une mortalité non négligeables. Et parfois, cette atteinte vasculaire est considérée comme une contre-indication. Bon, ce n'est pas une contre-indication absolue, on va dire qu'elle est relative. Ça va? Oui. Oui, oui. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Je poursuis. D'accord. Vous pouvez continuer. Vous pouvez poursuivre. D'accord, parce que je passe maintenant à l'étape clinique, si on veut. Pour la réponse découverte, généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme qui se présente à la consultation avec un ictère. Malheureusement, ce n'est pas un ictère conjonctival, mais c'est un ictère cutanéo-muqueux dégénéralisé. Et l'ictère généralisé, donc, comme ça, ça dénote quoi? L'ancienneté de l'installation de cette tumeur. Et donc, c'est la circonstance de découverte la plus fréquente. Il s'installe d'une manière progressive, généralement associée à un pulvite. Et bien sûr, les urines sont foncées et les selles décolorées, ce qui signe qu'il s'agit d'un ictère obstructif. Le deuxième point important, c'est que cet ictère, il est isolé. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fièvre. Ce qui élimine d'emblée une lithiase vésiculaire symptomatique, une cholecystite aiguë, voire même une angiocolite. Donc un ictère isolé qui évolue progressivement, sans bruit, évoque chez un homme autour de la cinquantaine, d'emblée, un cancer des voies biliaires, avec ou sans atteinte de l'état général. D'accord? Voilà, donc, l'association de ces signes, en particulier un ictère isolé, des urines foncées et des selles décolorées, sans fièvre ni douleur, doit évoquer un obstacle tumoral sur les voies biliaires hépatiques. Et vous comprenez très bien que le bon interrogatoire suffit à reconnaître qu'il s'agit en premier lieu ou le diagnostic en premier à évoquer, c'est le cancer ou une tumeur des voies biliaires. Alors, l'autre circonstance de découverte, peut-être une angiocolite. Et dans ce cas-là, bien sûr, elle est associée à des douleurs de l'hypochondroïde et des fièvres, la fièvre, voire même des frissons. Donc, en fin de compte, c'est un angiocolite, elle va venir et compliquer l'évolution de cette tumeur. Et parfois, c'est la découverte au cours de la surveillance des patients porteurs des kystes du colédoque ou d'une cholangite
sclérosante. Bon, l'examen clinique, il est, on va dire, il est presque pauvre. L'hépatomyalgie avec l'hyper avec la cholestase. Moins souvent, une grosse vésicule qui dénote quoi une grosse vésicule que la loi de Courvoisier et Terrier est positive. Autrement dit, il s'agit d'une tumeur distale. C'est une tumeur du bas-colédoc. C'est une tumeur de la voie biliaire intra-pancréatique. Voilà, on va dire comme ça les choses. Sur le plan biologique, vous allez confirmer qu'il s'agit d'une cholestase marquée, donc bilirubine totale très augmentée à trois chiffres, au dépens de la bilirubine directe, avec un taux de phosphatase hépatique, phosphatase alcaline élevé, ainsi que les gamma GT. Alors souvent, le taux de prothrombine, c'est-à-dire le TP, est abaissé du fait qu'il n'y a pas d'absorption de vitamine K. En ce qui concerne les marqueurs tumoraux, ils sont le plus souvent normaux. Il n'y a que le marqueur CA19 qui peut être utile, surtout lorsqu'il est très élevé, lorsqu'il dépasse les 500 unités par millilitre. À ce moment-là, ça doit vous faire évoquer une tumeur des voies biliaires, mais à un stade métastatique, donc assez avancé. Donc, on est en situation métastatique. Et sur le plan thérapeutique, nous sommes en situation palliative. Bien sûr, à chaque fois que vous êtes devant un ictère, le premier examen à demander, c'est une échographie. C'est pas un scanner. Il faut toujours commencer par une échographie. Donc, c'est l'examen de première intention. Qu'est-ce qu'il va montrer? Il montre souvent la dilatation des voies biliaires. Alors, si l'échographie vous dit qu'il s'agit d'une dilatation uniquement des voies biliaires intrahépatiques, vous allez déduire qu'il s'agit d'une tumeur proximale. S'il y a une dilatation des voies biliaires intrahépatiques et de la voie biliaire principale, il s'agirait beaucoup plus d'une tumeur de siège distal. L'échographie repère rarement la tumeur, mais elle peut enfin détecter des métastases ganglionnaires ou hépatiques. Et à chaque fois que l'échographie élimine une origine métiasique, donc il ne faut pas hésiter à demander un scanner. Le scanner abdominal, c'est l'examen de référence. Il va permettre de montrer le siège de la tumeur, proximal ou distal, et les caractéristiques de la tumeur, c'est-à-dire sa taille, le siège exact, est-ce qu'il y a un envahissement vasculaire et est-ce qu'il y a un envahissement à distance, c'est-à-dire ce scanner hépato-biliaire doit être complété par un scanner abdominopelvien et bien sûr thoracique. L'intérêt du scanner d'emblée, il va permettre de montrer, puisque ce sont des patients ictériques, de montrer le côté du foie drainé sur le plan par voie endoscopique. Autrement dit, c'est la partie du foie qu'il faut préparer à l'intervention chirurgicale s'il y a ou il y aura chirurgie. Le troisième intérêt de ce scanner, il va permettre d'évaluer le volume hépatique, ce qu'on appelle la volumétrie hépatique, pour une tumeur proximale, si la chirurgie est possible, bien sûr. Ce qu'il faut retenir de ce scanner, bien sûr, il faut toujours demander une échographie complétée par un scanner, et le scanner, on va dire qu'il est suffisant pour reconnaître le type de lésion, le siège de la lésion, et si elle est, surtout si cette tumeur elle est résécable ou non. Est-ce qu'on est en situation curative ou en situation palliative? La réalisation échographique ou scanner guidé des biopsies, elle est discutable. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'ensemencement tumoral. D'autant plus qu'il y a des possibilités de traitement curatif. Donc, il faut éviter ces biopsies scanner guidées ou échoguidées.
Bien sûr, l'IRM ou la colonne IRM peut compléter le scanner. Donc, il faut savoir reconnaître son indication. Il a pour but, donc, diagnostic de l'obstacle s'il n'a pas été bien évalué au scanner et préciser le siège. Surtout, il est demandé pour évaluer l'extension tumorale le long de l'arbre biliaire. Donc, cette IRM, cette colonne IRM, elle n'a de place que dans les tumeurs proximales. Vous n'avez pas besoin de faire une IRM ou une colonne IRM pour une tumeur distale. Pourquoi ça? Pourquoi l'IRM et pourquoi les tumeurs proximales? Pour la simple raison que j'ai parlé tout à l'heure de l'infiltration sous-muqueuse. Il n'y a peut-être que l'IRM couplé, enfin le scanner couplé à la colonne IRM ou à l'IRM, qui pourra déterminer avec précision l'atteinte sous-muqueuse. Même avec ça, il est difficile pour les radiologues de reconnaître la limite de l'extension sous-muqueuse. Et pour cette raison que les chirurgiens, après une résection, terminent toujours par une biopsie extemporanée des tranches de section biliaire, que ce soit distale ou proximale. Alors, concernant le diagnostic positif ou de certitude, il y a deux manières de le faire. Alors, en cas de lésion haute, c'est-à-dire proximale, eh bien, nous avons à notre disposition la colangiographie par ponction percutanée transhépatique. Et pour les lésions basses, nous avons la réalisation de biopsies à la pince, d'une cytologie endobiliaire à la brosse par voie rétrograde transpapillaire endoscopique. Il faut savoir que depuis le consensus, on va dire depuis le consensus de 2015 international, consensus international 2015, le diagnostic positif préopératoire n'est pas requis lorsque la possibilité d'une excision chirurgicale est requise, enfin est admise. Mais elle devient indispensable, le diagnostic positif devient indispensable en traitement palliatif. Parce que généralement, en situation palliative, qu'est-ce qu'on peut poser à ces malades-là? En plus du drainage biliaire palliatif, il y a la chimiothérapie palliative. Voilà. Ça va? Oui. Oui. Professeur. Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la phase diagnostique? Non, pas vraiment. Il faut retenir deux choses qui sont importantes. L'ictère obstructif, urine foncée, c'est décoloré. Surtout, isolé. Dès que vous avez devant vous un ictère obstructif isolé, chez un patient qui est autour de la cinquantaine, n'hésitez pas à demander une échographie et pour compléter par un scanner abdominal. Voilà. Maintenant, sur le plan de classification de ces cancers proximaux, il y a la classification de bismuth, qu'il faut connaître. Hein. Le type 1, c'est lorsque la tumeur est limitée au canal hépatique, comme on le voit ici. Puis vous avez le type 2, c'est une atteinte de la convergence. La tumeur envahit la convergence, c'est-à-dire le foie gauche ne communique plus avec le foie droit. Et vous avez le type 3, c'est une atteinte du canal droit, ou le 3B, c'est une atteinte du canal gauche. Le type 4, c'est une atteinte des deux canaux droit et gauche, et même de la convergence secondaire. Généralement, vous venez bien de comprendre que le type 4 ne relève plus de la chirurgie ou d'un traitement curatif. Alors, cette classification, elle est insuffisante. Pourquoi? Elle est insuffisante, comme vous le remarquez. Elle ne tient pas compte de l'envahissement vasculaire. C'est pour ça que l'équipe américaine de New York elle a développé ce qu'on appelle le MSK-T Stage Criteria. Donc, MSK, c'est quoi? C'est un grand centre new-yorkais en chirurgie hépato-biliaire
il a introduit un nouveau système de classification basé sur l'extension locale pour prédire la résicabilité. Il prend en considération l'atteinte biliaire, mais surtout l'atteinte vasculaire. Voilà, trois stades ont été décrits. Je les développe rapidement ici. Vous avez T1, donc c'est une atteinte de la convergence ou du canal droit, mais sans envahissement vasculaire. Vous avez le T2, c'est une atteinte de la convergence ou d'un des canaux, comme ici c'est le canal droit, mais avec atteinte de la veine porte, mais du côté homolatéral, hein, si vous voulez, ipsilatéral. Donc ça, c'est des bons cas, c'est des cas chirurgicaux qui peuvent relever facilement de la chirurgie. Et enfin, nous avons le T3, et vous voyez bien que c'est une atteinte bilatérale des deux canaux. Bon, généralement, constitue une contre-indication à la chirurgie, et ce sont des patients qui relèvent beaucoup plus d'un traitement palliatif qu'autre chose. Et vous avez le T3, donc avec une atteinte d'un canal biliaire, droit ou gauche, mais surtout, une atteinte vasculaire ou la veine porte gauche, c'est-à-dire contralatérale. Ici, vous voyez, c'est une atteinte de la convergence portale. Et ici, c'est le tronc porte. Donc, vous comprenez très bien que le T3, il nécessite, parce qu'il y a atteinte vasculaire, nécessite des gestes associés, des gestes vasculaires, et ils ne sont pas sans... On va dire qu'ils augmentent la mortalité et la morbidité post-opératoire. Mais généralement, c'est des situations où la chirurgie n'a plus sa place. Donc, ces patients qui relèvent beaucoup plus de la chimio-radiothérapie complétée par une transplantation hépatique. Donc, les T3, c'est des malades qu'on va présenter, si vous voulez, qu'on va préparer à la transplantation hépatique. Eh bien, comment on les prépare? Il y a des critères qui sont connus, un et deux, précédés par une chimio-radiothérapie. Je ne sais pas si je suis clair. C'est bon, je continue? Oui, docteur. Oui, professeur. Oui, professeur. Oui. 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 Vous avez des questions? Alors, quel est le bilan à visite thérapeutique? Donc, à chaque fois que l'examen chirurgical est envisagé, alors pour les tumeurs de siège proximal, ben, on peut compléter par un angioscan pour voir ou pour mieux évaluer l'extension tumorale vasculaire. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, évaluer le volume du foie, donc faire une volumétrie hépatique. Pour les tumeurs distales ou de siège inférieur, on peut discuter l'épandoscopie. Hein, elle peut permettre d'évaluer l'extension ganglionnaire, hein, et surtout la réalisation des biopsies dirigées s'il y a une contre-indication à la chirurgie radicale. Donc les biopsies, si vous voulez, dirigées, elles ont leur place en cas de traitement palliatif. Donc, ce sont des malades chez qui on va mettre une prothèse endoscopique et on complète par une chimiothérapie palliative. Voilà, donc, si vous voulez, la place de l'échoendoscopie. Je résume un peu ce qu'il faut faire sur le plan paraclinique, sur le plan de l'évaluation de la maladie. Ben, peut-être qu'il faut savoir demander un taux de CA 19,9, un taux très élevé. Supérieur à 500 évoque un stade métastatique. Après une échographie de Van Richter, donc toujours faire pratiquer, nous allons demander un scanner. Et le scanner, on va dire TAP, hein, ce qu'on appelle un scanner multibarrette TAP, c'est-à-dire thoraco-abdominopelvien, suffit en lui-même à évaluer le stade de la maladie et voir les possibilités d'une chirurgie curative. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas de possibilité de chirurgie curative, donc nous sommes en situation palliative,
Eh bien, il faut savoir demander, surtout pour les tumeurs proximales, distales, pratiquer, comment on appelle ça, pratiquer une endoscopie, faire des biopsies, mettre en place une prothèse endoscopique et compléter par une chimiothérapie palliative. Alors, à quel moment on peut parler qu'il s'agit d'une tumeur non résécable? Devant des ganglions ou des adénopathies métastatiques au-delà du pédicule hépatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si le scanner montre des adénopathies para-aortiques, cœliaques, métastatiques, il n'y a plus de place au traitement chirurgical curatif. On a tout. Maintenant, on estime que le scanner ne retrouve pas d'adénopathie. Eh bien, si on perd opératoire, il faut aller chercher ces métastases, enfin, faire une exploration ganglionnaire au niveau cœliaque, mésentérique supérieure et para-aortique. Et devant une adénopathie suspecte, il faut faire une biopsie extemporale. La non-résécabilité, elle se voit en cas de dissémination de métastases péritoniales ou hépatiques. Et enfin, la tumeur n'est pas résécable lorsqu'il y a une atteinte biliaire hépatique, bilatérale, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les tétrois, c'est-à-dire au-delà des branches secondaires, c'est-à-dire atteinte des branches biliaires intra-hépatiques, mais de manière bilatérale. Et enfin, c'est l'envahissement, comme on l'a vu tout à l'heure, du tromporte ou des deux branches de division de l'artère hépatique. Voilà. Donc, l'envahissement portal de l'artère hépatique, l'envahissement biliaire, mais en particulier bilatéral, mais aussi intrahépatique, constituent des situations de non-résécabilité. Donc, elle ouvre la porte pour la mise en place d'un traitement palliatif. Alors, c'est quoi le traitement palliatif? C'est le traitement des symptômes, tout simplement. Alors, quels sont les objectifs du traitement? Alors, en situation curative, s'il s'agit d'une exérèse radicale, il s'agit d'emporter la tumeur. Et quand on dit la tumeur, c'est-à-dire d'emporter les voies biliaires. En plus des voies biliaires, on a vu tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'une tumeur proximale, on emporte aussi la partie du foie concernée par la tumeur et les ganglions, c'est-à-dire faire un curage ganglionnaire. Et surtout, tenant compte que ce sont des tumeurs mal placées, hein, qui associent une atteinte à la fois vasculaire, hépatique et avec un ictère, donc avec une insuffisance hépatique patente, la latente si vous voulez. Donc le risque chirurgical, il est très important. Donc on doit tenir compte, il faut opérer ces malades-là, ça c'est clair, mais à une condition de maîtriser les complications, c'est-à-dire la morbidité et la mortalité. Donc c'est un équilibre difficile à atteindre. Voilà. Le deuxième objectif, en cas de situation palliative, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut agir sur les symptômes, c'est-à-dire en particulier l'ictère. Pourquoi l'ictère? Tout simplement, la seule chose dont le malade se plaint, c'est quoi? Pas de l'ictère, mais du prurite. Et voilà, donc il faut éliminer, éradiquer ce prurite. Comment? Ben, on va voir comment. Il y a plusieurs manières. Alors, cette prise en charge, lorsqu'on est en situation curative, bien sûr, hein, lorsqu'on est en situation curative,
Donc, ça relève de la chirurgie. Elle nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. On a besoin d'avoir un hépato-gastro-entérologue qui va nous aider pour faire des biopsies, en particulier pour les tumeurs distales, donc sous contrôle échoendoscopique. Nous avons besoin de cet hépato-gastro-entérologue aussi pour la mise en place des prothèses. Nous avons besoin du radiologue pour évaluer avec précision le siège de la tumeur, en particulier pour les tumeurs proximales, et y a-t-il ou non un envahissement vasculaire. Bien sûr, cette prise en charge relève de la spécialisation, en particulier en chirurgie hépatobiliaire. Et bien sûr, quand on parle de foie, en ictère, de risque d'insuffisance hépatique et d'une chirurgie majeure, donc on a besoin aussi de la présence d'un médecin anesthésiste réanimateur de qualité. Alors, c'est quoi une excision chirurgicale complète ou dite R0? Ça veut dire quoi? Il ne faut pas laisser de résidus tumoraux. Il est microscopique. On parle d'exérèse de type R1, macroscopique de type R2. Parce que l'exérèse de type R0, c'est le seul espoir de guérison. Malheureusement, cet objectif est réalisable plus souvent pour les tumeurs distales que pour les tumeurs proximales. À titre d'exemple, lorsque l'exérèse chirurgicale elle est de type R0, la survie à 5 ans pour les tumeurs proximales, elle est de 40%. Pour les tumeurs distales, elle dépasse les 60%. Mais lorsque l'exérèse est incomplète, donc R1 ou R2, eh bien, le taux de survie à 5 ans il est inférieur à 10%, quel que soit le siège de la tumeur. Voilà, je vous donne une idée un peu de l'impact du type d'exérèse sur le pronostic, ou si vous voulez, sur la survie. Un peu le traitement en fonction de siège. Alors, comme c'est des patients, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est des patients qui ont un ictère, ils sont en insuffisance hépatique latente. C'est des malades, si on veut les opérer, il faut améliorer la fonction hépatique. D'autant plus, pour les tumeurs proximales, ça va nécessiter une exérèse hépatique et on va laisser un foie. Le foie restant, il faut qu'il soit un foie capable d'assurer la fonction, les différentes fonctions hépatiques. Et le meilleur moyen, c'est de drainer ce foie restant. Malheureusement, cet objectif, s'il est souvent atteint, il n'est pas sans conséquence, c'est-à-dire il n'est pas sans inconvénient, pour la simple raison, la mise en place d'une prothèse par voie endoscopique est en elle-même elle est source de surinfection des voies biliaires. Donc vous comprenez très bien, on enlève l'ictère, mais on met en place l'infection ou, si vous voulez, l'angiocolite. Voilà, c'est pour cette raison qu'actuellement, la mise en place d'un drainage biliaire préopératoire, avisé, c'est-à-dire lorsque les possibilités d'exérèse curative sont possibles, eh ben, à ce moment-là, le drainage biliaire par voie endoscopique, il est discuté. Sauf que au Japon, il est systématique. Voilà. Mais au Japon, pourquoi il est systématique? Bon, même eux, ils étaient confrontés à ce problème de surinfection. Mais ils ont trouvé une solution, c'est la mise en place d'une prothèse, ce qu'on appelle nasobiliaire. Et c'est le seul moyen d'éviter la surinfection des voies biliaires. Je ne sais pas si je suis clair, mais je vais poursuivre. Alors, dans les cancers distaux,
Qu'est-ce qu'on peut proposer à visée curative? Eh bien, on propose la duodénopancréatectomie céphalique, qui est l'intervention de choix. Et le pronostic de ces cancers est nettement meilleur que celui des cancers proximaux. Je me répète, mais malich, alors, la duodénopancréatectomie céphalique, elle consiste en quoi? Donc, vous avez une tumeur au niveau de la voie biliaire distale. Donc, c'est la voie biliaire intrapancréatique. Donc, ça consiste à emporter la partie distale de l'estomac, tout le duodénum, D1, D2, D3, D4, ainsi que la première anse jejunale. Et en plus de ce tube digestif qui est emporté, on emporte la voie biliaire extrahépatique et la vésicule biliaire. Et vous voyez à droite comment se fait le rétablissement de la continuité. Si ça vous intéresse, donc vous avez l'anastomose pancréatico-jejunale, suivi l'anastomose hépatico-jejunale, la dite biodigestive, et enfin l'anastomose gastro-jejunale, ce qu'on appelle le montage selon Child. Ça, donc, c'est décrit pour les tumeurs ou les cholangiocarcinomes distaux, ceux qui sont situés au-delà de l'abouchement du canal cystique. Alors, pour les cancers proximaux, la résection biliaire, c'est-à-dire enlever que les voies biliaires, c'est-à-dire le canal hépatique commun, et les deux canaux, c'est-à-dire le canal droit et le canal gauche. Cette résection, elle est possible. D'accord? Et quand est-ce qu'elle est possible? À chaque fois que la tumeur siège au niveau du canal hépatique commun, c'est-à-dire qu'elle n'intéresse pas le canal droit ou le canal gauche. La résection biliaire seule se discute chez les patients en mauvais état général ou sur un terrain fragile, c'est-à-dire qu'il y a une comorbidité associée. Mais il faut savoir aussi que la résection biliaire seule, malheureusement sur le plan pronostique ou sur le plan de la survie, son impact il est faible comparé au traitement curatif actuellement associé, c'est-à-dire en plus de la résection de la voie biliaire et de la convergence, ainsi une exérèse hépatique est souvent majeure, c'est-à-dire on fait une hépatectomie droite si le canal droit était atteint, ou une hépatectomie gauche si le canal hépatique gauche est atteint. Et on associe d'une manière systématique une segmentectomie, c'est-à-dire on enlève le lobe caudé. On verra pourquoi on enlève d'une manière systématique le segment 1, parce que la convergence biliaire est souvent atteinte et elle communique avec, communique avec le segment 1, elle se draine, si vous voulez, le segment 1 se draine au niveau de la convergence biliaire. Donc, c'est un segment souvent envahi. Et pour cette raison-là, il est systématiquement emporté. Et bien sûr, parfois, à cette exérèse biliaire hépatique, on associe une résection vasculaire partielle de la veine porte ou de l'artère hépatique. Voilà un exemple de ce qu'on peut proposer à une tumeur. Vous voyez ici le rang noir, ça c'est la tumeur par exemple du canal biliaire droit, donc il s'agit d'une tumeur proximale. Alors techniquement, quand on fait résecte la voie biliaire au-dessus, au niveau de la bouche, si vous voulez, au niveau du supérieur du pancréas, section de la veine porte droite, section, ligature section de l'artère hépatique droite. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la veine porte gauche
l'artère hépatique gauche. Et puis, on fait une section du parenchyme hépatique, alors qu'on porte le foie droit et le segment 4, qui fait partie du foie gauche. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le segment 3 et le segment 2. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une hépatectomie droite, on dit élargie, segment 4. Il nous reste deux segments. Vous comprenez très bien que ces deux segments, il faut qu'ils soient capables d'assurer la fonction hépatique. C'est pour ça que ce segment-là, ce sont les deux segments qu'il faut drainer endoscopiquement et augmenter le volume de ces deux lobes. Comment? Eh bien, c'est par l'embolisation portale. Et puis, une fois la section parenchymateuse pratiquée, on fait la section de la veine sous-hépatique médiane et droite. Et puis, on termine par la section des canaux biliaires du segment 2 et 3. Et on rétablit la continuité par une anastomose hépatico-vaginale à ce niveau-là. Bon, c'est du détail, c'est pas, ça ne vous intéresse pas. Mais je vous en parle à titre informatif. Alors, quelle est la place du traitement palliatif? Alors, quand est-ce qu'il devient... Il a sa place, et bien, chaque fois que la chirurgie palliative n'est plus possible. Malheureusement, c'est une situation la plus fréquente. Alors, quels sont les objectifs de ce traitement palliatif? On l'avait dit tout à l'heure. C'est le plus vite. Parce que le problème là, ne se plaint ni de son cancer, ni s'il va sur le mouvement. Est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il vomit? Il se plaint de ce pleurite. Donc, c'est l'objectif premier de cette prise en charge palliative. Vous avez les vomissements. Alors, pourquoi les vomissements? Eh bien, quand vous avez une tumeur distale, parfois elle envahit le duodénum, en particulier le pré-duodénum, ce qui va entraîner une obstruction digestive haute, qui va être reconnue par la présence des vomissements répétés. Donc, il faut traiter les vomissements. Il y a la douleur. Et aussi, parfois, on peut être en présence d'une angiocolite. Et on va voir que, comment il prend en charge tout le. Bon, le prurit, généralement, donc, c'est l'ictère. Généralement, c'est le drainage endoscopique. C'est la mise en place d'une prothèse. Les vomissements. Alors là aussi, c'est des prothèses digestives. Mais souvent, on a recours à la chirurgie, c'est-à-dire on va faire une anastomose, une dérivation, ce qu'on appelle une dérivation gastro-intestinale ou une gastro-jejune. Pour la douleur, bien sûr, c'est des antalgiques forts qu'on va utiliser. Et enfin, en cas d'angiocolite, là aussi, c'est le traitement médical antibiotique, mais surtout, c'est le drainage endoscopique des voies biliaires. Alors, donc le drainage endoscopique, il est indiqué à titre palliatif, donc pour l'ictère, pour faire disparaître l'ictère, le pleurite, et bien sûr en cas d'angiocolite. Donc, on utilise des stents ou des prothèses métalliques. Donc, la pose de ce stent, elle est possible dans la plupart des sténoses tumorales, y compris les tumeurs proximales. Malheureusement, c'est-à-dire l'inconvénient de ces prothèses, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est les complications infectieuses. Donc, généralement, ce sont des patients qui ont une couverture antibiotique et à chaque fois que les épisodes infectieux, donc angiocolitiques, s'installent, ben, il faut savoir enlever cette prothèse ou la changer de prothèse. Voilà, par exemple, cette photo, on voit l'endoscope et la mise en place d'une prothèse métallique dans les voies biliaires avec issue de bile. Voilà, donc ce qui va permettre une bonne fluidité de la bile, donc régression, disparition de l'ictère, avec lui, bien sûr, le pleurite. Alors, il y a le drainage radiologique qui n'est pas beaucoup conseillé pour la simple raison. Le drainage radiologique qui trouve sa place pour les tumeurs proximales,
sauf qu'il y a une perte hydrique importante qu'il faut de temps en temps qu'il faut compenser. Et de l'autre côté, ça gêne le patient dans son quotidien. Donc, il y a un problème de confort. Donc, généralement, actuellement, le drainage radiologique transcutané transhépatique ne se fait plus ou là, il se fait rarement. La troisième possibilité palliative, c'est le drainage chirurgical. Voilà, c'est quoi? C'est faire une anastomose biliodigestive. Elle est plus intéressante que le drainage endoscopique. Pourquoi? Parce que le risque de complications infectieuses il est presque nul. Il n'y a pas de perte hydrique ou ionique, si vous voulez, sauf qu'elle nécessite un geste chirurgical et qui n'est pas dénué de certaines morbidités, donc de certaines complications. Voilà. Donc, le choix est difficile entre le drainage endoscopique et le drainage chirurgical. Alors, comment se fait le choix? Ben, à chaque fois que la survie elle est très courte, on y va pour le drainage endoscopique. À chaque fois qu'on estime que le patient est en bon état, il est jeune, en bon état général, il est jeune, il n'a pas de morbidité, de comorbidité, et on estime que la survie peut dépasser les 6 mois, à ce moment-là, on peut lui proposer le drainage chirurgical. Voilà, par exemple, le drainage chirurgical, vous avez ici la tumeur, donc si on met la mise en place d'un drain, on prend transcutané, transhépatique. Ici, c'est un exemple de drainage chirurgical, vous voyez ici l'anse montée, hein, c'est l'intestin, c'est le jugement qui est monté avec un niveau des voies biliaires, avec une anastomose biliodigestive, ce qui va permettre de décomprimer les voies biliaires. Allô? Allô? Oui, oui. Vous m'écoutez? Oui, professeur. Ça va? Oui, ça va mieux. Oui. Non, sérieusement, ça va. Globalement, vous savez, le son était bon. Hein? Plus ou moins. Plus ou moins. Enfin, je ne sais pas, moi, ce n'est pas de ma faute si le son n'est pas... Non, c'est la connexion. Non, c'est juste la connexion, professeur. Mais quand même, vous avez pu suivre quand même. Oui. Hein? Non, sérieusement. Oui, monsieur. Oui, oui. Oui, oui, on a pu. Mais allez, ceci dit, est-ce que vous avez des questions? Parce que bientôt, je termine, donc il me reste quelques diapositives. Il me reste 2 ou 3. Donc, jusqu'à là, est-ce que vous avez des questions par rapport au traitement? Non, c'est clair. Merci. Ce qu'il faut retenir, que c'est le traitement de cette pathologie néoplasique, c'est la chirurgie. Malheureusement, le diagnostic n'est pas fait à un stade précoce, donc souvent un stade tardif. Dans la majorité des cas, ça relève d'un traitement. Mais à chaque fois que la chirurgie a sa place, qu'est-ce qu'on fait? On fait pour les tumeurs distales une duodéno-pancréatectomie céphalique, ce qu'on appelle une DPC. Et pour les tumeurs proximales, on fait une résection biliaire hépatique associée à une résection hépatique et à une résection vasculaire lorsque la veine porte ou l'artère hépatique est envahie. Sinon, en situation palliative, nous avons 2 armes. Le drainage endoscopique. Pardon, docteur. Il y a une étudiante qui a ouvert son micro. Qui? S'il te plaît. Qui a ouvert son micro, elle fait du bruit. Hajar. Bon, c'est... Alors, Ousmane, comment elle s'appelle? Non, ça y est, c'est réglé. C'est bon, c'est réglé. Très bien.
Je répète. Allô, allô. Je répète. Oui, professeur, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Alors, je répète, donc je reprends par rapport à la prise en charge. Ce qu'il faut retenir, que le diagnostic est tardif. Hein, il est souvent au stade, et souvent au stade palliatif. Pardon. Professeur, on n'entend pas. Non, c'est... Je règle les choses, c'est tout simplement. Donc, je répète, donc, le diagnostic il est fait souvent au stade tardif. Donc, on est souvent en situation thérapeutique palliative. Voilà, donc je parlais des facteurs. Alors, concernant le pronostic, donc je disais qu'il était fonction de la localisation tumorale. Par exemple, les tumeurs proximales ont un de mauvais pronostic par rapport aux tumeurs distales. L'exérase R0, hein, une exérase R1 ou R2 n'assure pas une survie au-delà d'une année. Et enfin, l'extension de ces tumeurs, l'atteinte métastatique, hein, elle est de mauvais pronostic, ainsi que le terrain. Il faut considérer le terrain, c'est important. Donc, un patient avec des comorbidités risque de ne pas relever d'une chirurgie majeure. Voilà, donc c'est une contre-indication qui n'est pas absolue. On va dire qu'elle est relative pour la simple raison qu'elle expose le patient à des complications post-opératoires immédiates. Donc, les facteurs de mauvais pronostic, donc c'est l'atteinte vasculaire, donc de la veine porte et de l'artère hépatique, l'atteinte des ganglions du pédicule hépatique, mais surtout, l'atteinte au-delà du pédicule hépatique, c'est-à-dire l'atteinte cœliaque, mésentérique supérieure, et enfin les métastases péritoniales ou viscérales, c'est-à-dire pulmonaires ou hépatiques. Donc, autrement dit, les facteurs de bon pronostic après chirurgie sont l'envahissement, l'absence d'envahissement des marges de résection, donc obtenir l'exérèse F0, l'absence des métastases hépatiques ou pulmonaires, et surtout l'absence des métastases ganglionnaires. À titre d'exemple, en l'absence de métastases ganglionnaires, la survie elle dépasse les 60% à 5 ans. Et en cas d'atteinte ganglionnaire, elle est inférieure à 10%. Voilà, à titre d'exemple. D'accord. Voilà, donc, on va dire que j'ai terminé la question. Si je peux résumer un peu sur le plan historique, l'évaluation et la préparation. Il faut savoir que depuis 2010, on va dire comme ça, on fait plus de drainage transcutané transhépatique des voies biliaires, c'est beaucoup plus le drainage endoscopique. Depuis, on fait plus de, donc depuis 2010, on fait plus d'angiographie. Seul le scanner est demandé, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, pour évaluer la fonction hépatique, et ben depuis, je ne sais pas, depuis 30 ans, à 40 ans, c'est évalué grâce au test du verre d'endocyanine. Et à chaque fois qu'une exérèse hépatique majeure est indiquée, ben, on associe l'embolisation de la veine porte du foie à emporter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Maintenant, je suis à votre écoute. Allô? Oui, on vous entend, docteur. Voilà, donc je termine. Est-ce que vous avez des questions particulières? Allô? Non, je crois pas pour moi. Professeur, j'ai une question. J'ai lu quelque part que le drainage peut se faire, sauf si la bilirubine elle est vraiment élevée, plus de 200, je pense. Dans ces cas.
lorsqu'elle est très très élevée, effectivement, lorsque la bilirubine est très élevée, ce qu'on appelle la bilirubine à trois chiffres, c'est-à-dire supérieure à 200, effectivement, à ce moment-là, vous comprenez que ça signifie quoi, une bilirubine très élevée? Ça signifie que le foie, il est en insuffisance. Oui. On appelle ça une insuffisance hépatique patente. Donc, c'est un foie fragilisé et que l'intervention chirurgicale risque de déséquilibrer. Donc, il faut améliorer la fonction hépatique. Et comment? Eh bien, par un drainage biliaire. Sauf que le problème de ce drainage biliaire, si tu le mets pour attendre une amélioration conséquente, il te faut au minimum 2 à 3 semaines. D'accord? Pendant ces 2 à 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la tumeur continue à évoluer. Donc, si tu la classes à un stade X, elle va devenir un stade Y. Donc, il y a ce risque, d'une part. Et d'autre part, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant ces 3 semaines, ces 4 semaines d'attente que l'ictère diminue, disparaît, ben, le problème, le patient peut vous faire des accès angiopolitiques. Et ces enjeux politiques vont demander une prise en charge particulière, c'est-à-dire enlever la prothèse et peut-être le mettre sous antibiotiques. Donc, de l'autre côté, on retarde l'intervention, mais on n'obtient pas l'amélioration de la fonction hépatique. Donc, voilà, donc à chaque fois qu'on peut éviter le drainage endoscopique, il faut l'éviter. Comment? Eh bien, à chaque fois qu'on a une tumeur distale, on n'a pas besoin de... Professeur, vous êtes sorti car votre connexion elle est pas très, très performante. S'il vous plaît, réouvrez votre micro. Voilà. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai répondu sommairement comme ça à la question? Ça s'est coupé à la fin. Ben voilà, ce drainage lui-même est source de problèmes, source de complications infectieuses, c'est-à-dire il cause des angiocolites. Donc, c'est bien de drainer, d'enlever cette bile, d'évacuer cette bile et améliorer la fonction hépatique, mais l'inconvénient de tout ça, c'est que vous avez des angiocolites. Donc, vous gagnez sur le plan de la fonction hépatique, mais il y a une angiocolite qui va s'installer, qui va nécessiter un traitement spécifique. Et ce traitement spécifique, c'est des antibiotiques et peut-être même il faut enlever cette prothèse endoscopique. Et donc, c'est pour cette raison que en Occident, le drainage biliaire n'est pas systématique. Et au Japon, il est systématique, mais eux, actuellement, ils utilisent le drainage nasobiliaire, ce qui diminue un peu le risque de complications infectieuses. Ben voilà, par exemple, lorsque la tumeur siège au niveau de, au niveau distal, lorsqu'elle est un cholangiocarcinome distal, ben généralement, tu n'as pas besoin de drainage. Lorsqu'elle est proximale, ben, si la volumétrie hépatique elle montre que le foie restant il est supérieur à 40%, eh ben, vous n'avez pas besoin de faire un drainage biliaire. Il faut opérer d'emblée ces patients. Maintenant, si la volumétrie montre que le foie qui va rester, non pas le foie qui va partir, que tu vas laisser, si le pourcentage est inférieur à 40%, à ce moment-là, tu es obligé de préparer ton malade. Ben, il faut le préparer par un drainage biliaire et associer une embolisation de la veine porte. Voilà. Donc, sur le plan pratique, c'est au cas par cas, vous comprenez très bien. Et le problème se pose pour le proximal, non pas pour le distal. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, professeur, merci. Merci, j'ai compris.
Oui, très bien, j'ai compris, le message est passé, merci. Et pour la dérivation, on a dit qu'il y a une alternative, c'est la dérivation, mais... C'est pas il y a le drainage endoscopique, il y a le drainage chirurgical. Une dérivation du cholédoc vers le duodénum. Oui, donc j'ai dit que à chaque fois que c'est-à-dire en fin de compte le souci c'est quoi en situation palliative c'est quoi le souci c'est donc le prurit. Alors qu'est-ce qu'il faut proposer aux patients? Soit le drainage endoscopique, soit le drainage chirurgical. Alors, comment on va faire le choix? Alors, le choix va se faire en fonction de plusieurs critères. Le premier critère, c'est un malade. C'est le malade est en bon état général et en mauvais état général. Le deuxième point, est-ce qu'il y a des comorbidités? Est-ce qu'il est diabétique, hypertendu? Troisièmement, comment on évalue, la survie. Elle, il peut survivre que 3 mois. Non, il peut survivre au-delà de 6 mois. À chaque fois que le patient il est en bon état général, qu'il n'a pas de comorbidité et que la survie est estimée supérieure à 6 mois, eh bien, il faut proposer à ce patient un drainage chirurgical. Sinon, dans les autres cas, sans hésiter, ça sera un drainage endoscopique. Voilà. Merci, professeur. C'est mes filles. Oui, Max, merci. D'autres questions? Vous avez d'autres questions? Non, globalement, est-ce que c'était clair? Oui, professeur. Oui, merci à vous. Oui, professeur, merci. Merci professeur. Merci à vous de même. À vous de même.